Salut les apprentis chimistes. Aujourd'hui, on va utiliser le pH 13 de chez FicTech. On va faire comme il est indiqué sur la notice. C'est un produit que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas. Tout simplement, bien remuer avant action. Il est indiqué qu'il faut l'appliquer sur une carrosserie froide et sèche, ce qui est le cas. Pour 1 litre, on va de 75 ml à 150 ml. Je vais mettre 75 ml que je vais venir mettre dans mes 500 ml d'eau dans un sprayer. Surtout, ne pas l'utiliser en canon à mousse. C'est indiqué sur la notice. Ne pas l'appliquer sur des baguettes chromées. On vient secouer, on va venir éviter les baguettes chromées, on va l'appliquer directement sur le véhicule. Est-il capable de me supprimer réellement le film routier? Va-t-il me retirer tous ces moustiques incrustés? Vous l'appliquez abondamment, on va patienter comme indiqué dans la notice entre 4 et 5 minutes. 5 minutes après, on va venir rincer et voir le résultat. Après rinçage, on va sécher pour contrôler le résultat. Aux premières apparences, tous les moustiques sont partis d'une facilité déconcertante et en plus, on a l'impression qu'il n'y a plus de film routier. Afin de ne pas polluer le test, je vais venir tamponner avec une microfibre de séchage. Du coup, comme tu peux constater sur le véhicule, ça m'a enlevé tous les moustiques, ça m'a enlevé le film routier. Le pare-choc est vraiment propre. Cependant, il peut rester des traces. Ces traces, ce sont des moustiques intégrés directement dans le vernis dû à des problèmes de lavage. Conclusion sur le pH 13, c'est un excellent produit pour retirer le film routier ainsi que les moustiques. Attention aux applications, lisez bien les notices, c'est extrêmement important. Si tu veux d'autres tutos de ce style, n'hésite pas à t'abonner. En attendant, je te dis à bientôt.